Ça y est, on est arrivé. Je peux descendre? C'est bon, c'est safe. Ok, on est où là? En 1993. Ok, 1993. Je vois, je vais me faire un shmup. Comment allez-vous les amages? Oui, on y retourne. Nouveau shmup pour étoffer notre encyclopédie. Et aujourd'hui, dans cette belle année 93, on va chroniquer Air Assault. Alors, c'est un titre que je connais absolument pas, bien que IREM ne soit pas des moins réputés dans les crash boulettes qui étaient créés depuis les mid-80s. Et du coup, je vais le découvrir en même temps. Il me semble que c'est un espèce de Red and Like, mais je suis pas trop sûr. Autant vérifier de visu directement. Je peux vous faire les bruitages à la bouche si vous voulez. Oh putain, Roger, t'es con, t'as failli m'entrer dedans. Désolé, Michel. Hé, Roger, ouais, je voulais te dire. Voilà, souris, c'est pour la photo. Super, on peut avoir une démo? Non, parce que c'est super important, la démo dans le shmup, c'est là que tu comprends à quoi tu as affaire réellement. Des bonus qui changent de couleur pour changer de valeur. Oui, tout à fait, Jean-Michel. Alors, il m'a l'air un petit peu bruyant. Je vais profiter de la pause pour baisser un peu le son parce que j'ai pas envie de croire, mais il a l'air vif le bourre et c'est bien un Red and Light qu'on a. Si ça c'était pas de la mise en bouche, je m'y connais pas. Alors j'ai dit que je baissais un petit peu son clapet parce que il m'a l'air un poil fort. Et on y retourne et cette fois ça va jouer. Est-ce que j'ai déjà mis le pad dans ce jeu? Pas du tout. Alors, pour un jeu sorti en 93, comment dire? Il est ni en avance ni en retard, il est pile dans l'époque. Alors peut-être qu'il se mouille pas trop et essaye pas trop de d'innover. C'est le reproche qu'on peut lui faire. Mais pour autant, il est pas moche. Pour autant, il y a du monde à l'écran pour me donner un peu de soucis. Pour autant, il est pas original non plus. Alors ok, les bonus sont planqués dans les boîtes au sol. MMMM missile, H-mine. La réflexion du shmupper, toujours très rapide. Alors, ce qui me fait un peu peur dans ce titre, c'est que je me dis, il peut faire partie de ces fameux jeux où si tu perds ton armement quand tu l'as bien boosté et que tu as avancé dans les tableaux, ça va piquer un peu le redémarrage normalement. Oh, j'ai toujours ramassé bonus. Je vais scorer comme une brute. Mon nouveau but dans la vie de 1cc et faire un high score. Comment ça, monsieur Cap est bon tard? Pas de but. Il faut bien. En tout cas, il est pas loin le gros. Heureusement que les patterns sont bien visibles. Au niveau lisibilité, c'est clair que le soft est. Y a rien à dire. C'est parfait. Il faudrait vraiment être aveugle pour pas y arriver. Je suis en mode énervé.
Vert, vert c'est joli, c'est bien, il me plaît bien ce tir. Jaune, non. Rouge, non. Vert. Yes, éloigne-toi, 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 ça va piquer. Alors, il y a des tirs qui s'annulent, il y en a d'autres pas. Ah, il faut pas les confondre surtout. Oh, et la microseconde d'invincibilité, c'est vraiment la microseconde quoi. Allez, 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 du calme. Du calme, Maurice. Ça va bien se passer. Comment ça, je n'ai pas essayé ma super bombe? C'est pas une raison, c'est facile là. On va pas passer une bombe pour ça, les gars. Vous allez pas me faire ça. It's comme dans du beurre. Like in butter. Ce petit bonhomme, c'est butter. C'est moi. Faut que j'arrête avec les références South Park, c'est mal. J'ai passé l'âge normalement. C'est tellement con que la connerie de ce dessin animé est universel. Alors, vous me direz, pourquoi je ne dis pas trop de choses sur le jeu? Bah parce que je suis comme vous, j'attends un moment où ça va être excellent. Et pour l'instant, ce moment n'est pas encore arrivé. Pourtant, il est jeune, regardez-moi ce scrolling différentiel de l'amour. Toi, je vais te laisser passer, parce que t'as pas... Hein? Il faut savoir, des fois, concéder à certains... Oh là, ça vient par derrière, ça commence à être moche. Et il se cache sous les nuages, en plus, c'est salopard. Je peux pas encore l'augmenter de manière à ce qu'il couvre l'écran à 360 degrés, ce tir. Parce qu'il est bien. Vous connaissez ma préférence pour les tirs couvrants en V. Oui, dans les shmups, j'ai toujours préféré la sécurité à foncer comme un barjo. Alors, ce que j'ai cru remarquer, c'est que la vitesse des tirs est très variable. Des fois, il se prend des petits coups de speed un peu. Et des fois, c'est... Oui, je sentais le sale coup venir. J'ai un stock de bombes là, il va pas falloir hésiter si j'ai un moment de panique. Que je me fais légèrement saturer comme on dit. Regardez-moi tous ces bateaux qui viennent se garer à la même heure, c'est quand même étrange. Alors je vais essayer un truc parce que... Ouais... le tir en fait est pas limité. Donc on peut y aller comme un salaud si on met Bah là j'ai mis le pad sur mon genou hein, comme d'hab. Du coup là je peux carrément y aller comme un gros sale. Il est où le gros? Vas-y. Mec ma idée. Ah. Alors méfie-toi parce que t'as pas de microseconde d'invincibilité avec ce con de jeu. Là, je vais ramasser ça. Ah bah on l'aura essayé cette bombe. C'est chaud chaud parce que le vaisseau se déplace très vite latéralement et... Pour arriver à se caler dans le bon couloir quand y a une petite fricassée de boulettes qui vous arrive dans la tronche, c'est pas évident. Je vais remettre le pad normalement dans mes mains. Parce que c'était une bonne idée, mais pas pour le boss. Là maintenant je vais le remettre pas normal. Faut vraiment que je prenne un tir couvrant. Ah pas ça. Allez. La musique est très très rigolote. Non, Omi, c'est mieux. J'aime pas trop viser. Et ça s'annule ça. Il va y avoir une fricassée au milieu, ça va pas s'annuler, ça va être moche. Il va regarder comme ça s'accumule. Ouh, j'ai gagné un vaisseau supplémentaire. Max. Ah bah oui, là ça. Ah bah ça c'est. C'est ce qu'il aurait dû y avoir monté sur cet appareil dès le début quoi. Regarde-moi ça. Pour moi les malins en face, je crois. Oui, on va y aller tranquille. Pour une fois que j'apprécie un tir concentré, autant en profiter. Hein. Profitez, messieurs, mesdames, l'instant est rare. Monsieur K avec un tir concentré et qui est content, c'est vraiment exceptionnel. Je le sentais pas, ce truc. Ah, il reste. Attention, le mur. Quel mur. Trop tard. Bah oui, il est fait, là. Ah, 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 ah.
Je me savais que j'allais être navré. Oula, mais j'ai un tir latéral. Hop, 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 hop. Il arrive pile à temps, en fait. Il arrive vraiment à temps. Ah, ah, ah. Ce niveau est diablerie. J'ai une pensée pour tous les crédits des joueurs du monde qui ont été bouffés sur ce niveau. Ça devait être violent. Non, non, je garde le même tir. Du rouge. Non, non, et puis alors, attendre la bonne couleur pour que ça tienne hard. C'est le meilleur moyen de se faire bousiller la tête, ça. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, non, pas le vert. Le vert, si. Le carnage pour se remettre dans le bain. C'est assez, assez, assez lourd. Mazette. Il est chaud, chaud. Alors, le premier niveau, c'était tutoriel, quoi. Le deuxième niveau... Ça allait encore. Troisième niveau, c'est bonjour. T'aimes le fouet? Le fouet, le jambon de, du fabricant de fouet, là? De jambon? Non, le fouet. Ça, t'aimes bien? Bon, faut voir. Parce que là, Oh, la perversion. La perversion du niveau. Laissez tomber. Et donc, les frères du pont qui arrivent pour me faire ma fête. Hop. On va en bouffer des crédits, je vous le dis, on va en bouffer. On va passer ce boss et on n'ira pas beaucoup plus loin, je pense. Parce que le jeu est bien, le jeu est beau. Mais il est raide. Mais il est raide. Si Rocco, si Freddy pouvait être aussi raide... Bon, c'est une très mauvaise image. Mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. Finishim. Oui, 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 oui. RSO, t'es mignon. RSO, t'es jouable. T'es bien foutu. T'es déjà un petit peu rétro quand t'es sorti, mais... Damnod, que tu es rude, que tu es raide, que tu es rêche. Et que tu as des passages du genre, quand ça veut pas, quoi. Neuf. On avance un petit peu, parce que je suis comme vous, je suis super curieux. Et mais je change pas mon avis pour autant, finalement. Il y en avait un d'autre côté. Oh là là, comme je l'ai mangé dans la gueule. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur tir pour cet endroit. Le truc, c'est que t'es obligé de te mettre bien en face des petites tourelles. Ce qui forcément peut poser un problème à un moment ou à un autre. Surtout qu'elles se mettent à tirer de manière désynchronisée. Parce que toi, t'es au milieu comme un cake, et tu fais... non... Non... J'ai pas le temps de bomber. Tiens, cadeau, je range sur toi. Non, on ne continue pas, c'est... J'aime beaucoup ces genres de jeux, en fait, parce que... Ils représentent bien leur époque. C'est-à-dire... Les gars ont sorti ce qu'il fallait sortir jusqu'au bout. Mais, à force de vérifier leur jeu et d'y jouer eux-mêmes, bah, ils ont complètement oublié qu'il y avait des gens qui n'avaient pas mémorisé ce que tous eux avaient mémorisé. Et je vous garantis que vos premiers runs sur ce jeu vont être assez piquants. RSO, moi perso, je te valide. Bah, je te mettrai pas dans les tops, mais tu es de ces compagnons bien rigolos qui nous mettent des fessées et qui sont très très rigolos à réapprendre justement, parce qu'il faut vraiment apprendre le soft. Voilà, je vous laisse avec les deux playlists habituelles, c'est-à-dire la généraliste Sprung et celle des Schmeubles, bien entendu, Blutch, et le bouton abonnement. A bientôt, ciao.